La Fédération camerounaise de football travaille, oui. Le comité exécutif a été élu pour travailler, quoique il peut avoir des problèmes avec le ministère, il peut avoir des problèmes, mais l'essentiel, c'est que ces gens-là travaillent. Ils sont payés pour ça, les délégués les ont donné leur voix par rapport à ça. Quoique les autres qui ont été chassés pour malversation ou pour comportement antisportif, sont en train de chercher les problèmes aujourd'hui. Ils veulent que Samuel Eto'o tombe, mais seulement dans leur calcul. C'est quoi, les amis? C'est que Eto'o va tomber et le COMEX va tomber aussi. Mais c'est faux. Ils devraient quand même réviser les différentes leçons et les différents avocats et les conseillers juridiques devraient les expliquer les choses. Que ce n'est pas parce que Eto'o tombe ou va tomber ou peut tomber que le COMEX va tomber aussi. Le comité exécutif de la fédération n'est contesté par personne. Ils ont essayé au niveau des tasses, ils ont bu la tasse de ce côté-là. Ils ont essayé au niveau de la CCA, ils ont aussi bu la tasse de ce côté-là. Donc, voilà exactement comment certaines personnes réfléchissent au Cameroun. C'est comment faire pour empêcher l'autre de réussir dans son projet. Ça, c'est de la sorcellerie. Et ils sont nombreux à entamer le procès dans la sorcellerie pour empêcher d'autres de tourner en rond, de marcher bien, de réussir, de travailler pour l'intérêt de tout le monde. Assez, on a Luka, non, on a Bamenda Man, on a Ekona Man, on a Ngiman, on a Bakwe Man, and on a Anglophone Brother. The language you are using our talk for here, and a language most of my subscribers understand them. So please don't come here and be telling me why are you not speaking in English? Why are you not speaking in Pidgin? You can do the speaking. Put your camera on, do the talking. You're a better place. You can also analyze. Maybe not until you go learn from some place. Never speak the truth, your mind, and everything where you want to come. People will understand you. Les amis, la Fédération camerounaise de football travaille, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et cette fédération a annoncé un événement qui aura lieu aujourd'hui à 10 h. C'est quoi cet événement? Pour ceux qui n'arrivent pas à lire le communiqué qui est à l'écran là, je vais vous proposer la lecture de ce communiqué. Communiqué numéro 068. Bas FECAFOOT, bas SG, bas DC, bas CCNI, bas ACNI, bas 24. Donc, comme on dit 2024. Le secrétaire général de la Fédération camerounaise de football informe les présidents et secrétaires généraux des ligues régionales, le public et la presse que le tirage au sort du tournoi d'accès à MTN Elite Tour Interpol 2024 est prévu le vendredi, donc aujourd'hui, 28 juin, à 10 h dans la salle de conférence de la Fédération camerounaise de football, signé par qui? Blaise Ndjuna. Il dit encore, c'est un message clair. Comme pour dire, quoique on travaille, vous essayez de nous perturber, vous essayez de mettre en mal notre président, il reste solide. Les institutions, les structures de la fédération restent solides. Le football se joue et c'est sur le terrain, les amis, c'est le plus important. Les autres qui veulent jouer le football dans les bureaux, dans les juridictions, est-ce qu'ils ont gain de cause? That is the question. Parce que le montant peut accoucher d'une souris. Quand vous avez passé votre temps à fabriquer les choses, les preuves avec l'intelligence artificielle, et vous pensez que vous êtes les seuls à connaître cela, les amis, ça pose d'énormes problèmes. Parfois, vous interceptez l'appel, vous n'arrivez pas à décrypter l'appel, à en comprendre l'appel, et vous dites, c'est la corruption, voilà, c'est un ciel ouvert, j'ai attrapé, je vais faire ceci, je vais faire cela. Pendant ce temps, les clubs vont jouer l'Interpol 2024 pour se qualifier pour l'MTN Elite 1, non, Elite 2, je pense. Ils ont dit MTN Elite 2 dans le communiqué. Je reprends. Le secrétaire général de la Fédération camerounaise de football informe les présidents et secrétaires généraux de ligues régionales, le public et la presse que le tirage au sort du tournoi d'accès à MTN Elite 2, donc l'Interpol, c'est pour les qualifier pour MTN Elite 2, est prévu le vendredi 28, donc aujourd'hui, juin, à 10 h. Donc à 10 h, les amis, il y aura ce tirage au sort
Donc, les présidents de club, les secrétaires généraux sont conviés pour cela. Je crois que c'est les équipes qui vont partir de 3e division en 2e division en forme d'Interpol. Friends, you can always watch videos here and then rest assured, we are here to give you the information. We are not here to blackmail. We're not here to write, take position. But if need be, we are going to take position. It's not that we are afraid of taking position. The thing is, our position is clear on this platform. We are against injustice. All forms of injustices, we are against. We don't condone it. If you like those who are doing the batching, watch them, like them. They don't come here to tell us what we should do and what we should not do. Go and watch them, enjoy it. I don't know, people are suffering from something. You want to see somebody die. Others are protecting the person. You say no, those who want the person die are the best. Those who are protecting the person are the worst. You have a problem. You have a serious problem. And then you pretend that you're a Democrat, your people have to share their views and all that. No. That which concerns Samuel Etofis, there are a lot of people who are doing the batching. They are batching and batching and batching, and most of them are paid to do so. Most of them. And then some of us who are telling you the truth, who are talking from the law standpoint, from justice standpoint, you're telling us, are you overdoing it? No. For about 3 years today, you've not said any single thing about those who have been doing videos, the posting stuff. For 3 years, you're liking, you're enjoying it. When they do the batching, you enjoy. When we do the explanation, you are heavy-hearted. I said, don't go me. Bye-bye.